Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Quel que soit le lieu où vous me regardez en ce moment, que Dieu vous bénisse. C'est bonjour chez certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est bonsoir, bon après-midi. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la page, de la partager au nom de Jésus. Cette semaine, par la bonne grâce de Dieu, nous sommes en train de prier contre les mauvais fondements, les fondements maléfiques de nos familles. Nous sommes en train de les détruire au nom de Jésus. Et je sais que depuis que nous avons commencé ce temps de prière, plusieurs ont commencé à voir des témoignages, des choses ont commencé à se produire, de se passer dans vos familles. C'est pour la gloire de notre Dieu. Ne soyez pas ébranlés et ne vous fatiguez pas de continuer à prier. Parce que ce qui va commencer à bouger comme tremblement de terre va s'écouler et le nom de Jésus sera glorifié. Donc ce jour, nous sommes à notre troisième journée, de notre troisième matin, s'il faut le dire, pas journée, matin, de prière sur les fondements. Nous avons vu hier Elisabeth et je vous ai parlé de fondement. Nous avons prié. Et j'ai dit que tu ne peux pas être plus grand ou plus grande que ton fondement. Tu ne peux pas être plus grand et plus grande que ton fondement. Tu ne fais que ressortir, manifester ce que ton fondement a reçu. Une villa est différente d'une grande maison de 42 étages ou de 50 étages. Ce n'est pas des petits fondements qu'on a mis dedans. C'est des grands fondements. Et l'Éternel va changer nos fondements. Donc cette journée, notre prière va être basée sur l'histoire de nos familles, en demandant à notre Dieu de changer l'histoire de nos familles. Nous sommes Africains, nous ne sommes pas des Blancs. En Afrique, nous avons cette réalité-là, que chaque famille, chaque tribu, chaque nation a une histoire. Donc ça veut dire que ta famille a une histoire, ma famille a une histoire. Mais cette histoire maléfique, c'est ce que nous allons demander à notre Dieu de changer. Seigneur, change l'histoire de ma famille. L'histoire maléfique, les fondements maléfiques de ma famille, change. Nous allons partir dans le livre de Matthieu 22, le verset 25. Le Matthieu 22, verset 25 nous dit que, or, il y avait parmi nous sept frères, écoutez bien, le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Ainsi de suite. Continuez la lecture. Vous allez voir qu'il en fut de même du second, puis du troisième, puis du quatrième, jusqu'au cinquième. Ainsi de suite. Une femme qui a épousé les sept frères avait une histoire. Pourquoi la Bible ne dit pas que la femme au cinquième mariage est morte? Elle n'est pas morte. Elle était là pour un objectif. Et elle atteint cet objectif-là dans la vie de ses sept frères. Donc, ce qui est dans ta famille, qui est en train de toucher tous les membres de la famille, lui dit, Seigneur, ce matin, je viens devant toi. Change l'histoire de ma famille. Ce qui est en train de fatiguer ma famille, Seigneur, change-le ce matin. Que l'histoire de ma famille change. Si nous étions destinés à être massacrés, si nous étions destinés à ne pas atteindre un certain âge, Seigneur, qu'il y ait un changement de décret ce matin. Que tout décret maléfique dans ma famille, calendrier maléfique, familial, que l'ennemi a placé dans ma famille, les montres
familiaux les montres que l'ennemi a placées, qui contrôle de quelque part dans le secret. Je suis dans le bain de la prière que je ne sais même pas comment formuler ces phrases-là. Il y a des montres qui sont placées quelque part. La manière dont cette montre tourne, c'est comme ça la vie de chaque membre de la famille tourne. J'appelle cela des montres maléfiques de famille. Papa, partout où ces montres se trouvent, ce matin, que le feu du Saint-Esprit les localise et les détruise par la puissance du Saint-Esprit. Partout où, Seigneur, partout où ces montres se trouvent, partout où, Seigneur, ces canaries se trouvent, partout où ces choses qui ont été utilisées, papa, se trouvent ce matin, que la puissance de l'Esprit de Dieu aille trouver ces choses, les détruire dans le nom de Jésus. Tout cercle maléfique de ma famille, les modèles maléfiques, papa, programmés par le monde des ténèbres, ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Je viens contre ses forces. Je viens contre ses esprits. Je viens contre ses fondements. Je viens contre ses autels. Je viens contre ses racines. Je les détruis. Je les abats. Je les anéantis au nom de Jésus. Tout fondement, Seigneur mon Dieu, de famille qui a retenu chaque membre de la famille, a reproduit la même chose. Ce matin, je dis que mon cas est différent. J'envoie le feu de l'Esprit de Dieu, quels que soient les lieux, dans les villages, dans les couvents, dans la mer, là où ces alliances ont été tissées, dans les rivières, dans les lacs, dans les forêts profondes. J'envoie ce matin la lumière de Jésus de jaillir dans ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose, quelle que soit la chose, quel que soit le sacrifice, quelle que soit l'alliance, Seigneur, ce matin, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Sept frères, leur avenir a été anéanti. Leur vie a été anéantie. Tout démon qui a reçu le mandat de contrôler ma famille, tout démon qui a été envoyé, assigné pour venir téléguider les mouvements des membres de ma famille, ce matin, partout où tu es, tu reçois le feu et le sang de Jésus de te détruire. Tu reçois le feu et le sang de Jésus. Tu reçois le feu et le sang. Le feu t'anéantit. Le sang te détruit ce matin. Toi et ta mission et ceux qui t'ont envoyé, dans le nom de Jésus, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Toute flèche qui quitte sur ces autels pour cibler les membres de nos familles, pour me cibler ce matin, j'anéantis la puissance de ces flèches, je les retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit maléfique et démoniaque, les esprits maléfiques et démoniaques qui se promènent dans ma famille, au nom de Jésus, pour se rassurer que ces alliances sont là, ce matin, tu m'entends au nom de Jésus. J'envoie le sang et le feu te détruire. Le feu et le sang de Jésus te détruisent ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout calendrier familial maléfique qui a été posé depuis les fondements. Ce calendrier est là que chaque saison, quelque chose doit se passer. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous anéantissons le processus et l'exécution de ce calendrier, quel que soit le lieu. Nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Les calendriers qui sont là pour empêcher les filles de se marier, les hommes de se marier, d'enfanter, de progresser, de devenir quelqu'un dans la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mariages qui échouent dans les familles,
matin. Il n'y a pas de progrès. Les gens sont stagnants. Il y a, dans les études, personne ne passe, dépasse le baccalauréat. Ce matin, je viens contre ces forces et ces alliances démoniaques. C'est des calendriers posés dans les familles. Nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous les détruisons et nous mettons un arrêt total à ces calendriers par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui s'est passé, 50 ans passés, ne se reproduira pas à notre temps. Nous le refusons, nous le décrétons, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fondement, plante qui n'a pas été planté par notre Dieu dans nos familles et dans nos vies, papa, ce matin, nous les déracinons dans nos familles par la puissance de la résurrection de Christ dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es ce voyant guerrier qui nous donne la victoire. Merci parce que tu es le capitaine qui est devant nous dans le combat. Ce matin, nous recouvrons nos vies par le sang de Jésus. Nous trempons nos familles dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons merci pour la grâce de prier. Merci parce que tu es ce Dieu qui répond à la prière. Nous scellons l'exaucement de ces prières dans le sang de l'agneau. Tout démon qui va essayer de venir contrecarrer, papa, qu'il reçoit le feu sur son chemin au nom de Jésus. Éternel des armées, nous soumettons la journée à ta Seigneurie. Merci pour le souffle de vie, pour pouvoir parler. Nous soumettons la journée à toi. Que cette journée soit pour nous une journée de joie, une journée de bonnes nouvelles, une journée où les baobabs dans nos familles seront renversés dans le nom de Jésus. Une journée d'allégresse, une journée d'abondance, une journée de prospérité, une journée de joie et de paix dans tous les domaines de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci pour ta grâce qui règne dans nos nations. Papa, nous voulons élever nos nations vers ton trône de grâce. Que ta compassion et ta miséricorde descendent dans nos nations. Que les vies, Seigneur mon Dieu, soient sauvées dans nos nations. Que les âmes viennent à toi. Nous libérons les âmes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, dans nos nations. Que ces âmes viennent te donner à toi. Qu'ils te reconnaissent comme Seigneur de sauveur et qu'ils te confessent, Père, dans le nom de Jésus. Non seulement te confesser, mais te servir pour le reste de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos familles, tous ceux qui retiennent les membres de nos familles en captivité de ne pas connaître Christ, nous brisons la puissance de ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, sois glorifié ce matin, magnifié et exalté pour ce que tu feras, pour la gloire de notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous. Continuez à prier dans vos maisons, partout où vous êtes. Que ces prières-là résonnent en vous. Déracinez et identifiez les fondements de vos familles. Anéantissez-les pour que vous puissiez vivre pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Christ vous aime. Au nom de Jésus. Amen.